Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. On est mardi 5 décembre si je ne me trompe pas. Désolée, je ne suis pas très apprêtée. Il est assez tôt, il doit être 9h... Quelle heure il est ? 9h30 je crois. Et je suis réveillée depuis longtemps, mais je suis un petit peu fatiguée. Donc j'ai pas encore trouvé le courage de m'apprêter, mais... Je vais probablement le faire à un moment donné ou à un autre. Hier, j'ai dû vous laisser de manière un peu abrupte. La journée commençait bien, enfin, il n'y avait rien de particulier. J'ai mangé et en fait, après manger, j'étais vraiment fatiguée. Je suis allée me reposer un petit peu. Et là, en début d'après-midi, j'ai un très gros mal de tête qui a commencé et que j'ai gardé jusqu'au soir, quasiment jusqu'à 8 heures du soir. Mais vraiment, vous savez, le mal de tête où il faut rester dans le noir, couché et qu'on ne peut rien faire. Et du coup, bah, je ne suis pas revenue vous voir. Je suis pas revenue vous voir. Déjà, bah, au final, je n'ai pas beaucoup tricoté parce que j'ai tricoté un petit peu en soirée après quand le mal de tête a fini par passer. Mais sinon, j'ai beaucoup dormi hier après-midi. Et de toute façon, j'avais tellement mal à la tête que j'étais pas capable de venir vous parler. Et encore, vous parler, ça aurait pu passer, mais j'aurais été incapable de faire le montage, etc. Déjà, juste au final, j'ai une chance parce que j'avais prévu de faire le montage en fin de journée. Et je sais pas pourquoi je l'ai fait tout de suite vers midi, en fait, quand j'ai fini de vous parler de la première partie de la journée. Une chance parce que je pense que si je l'avais pas fait avant le mal de tête, vous n'auriez pas eu de vidéo du tout. Mais bref, en plus de ça, en important ma vidéo sur YouTube, j'ai découvert que une musique que j'utilisais, que je pensais être libre de droit, en fait, ne l'était pas. Donc ça m'a causé un petit peu de complications aussi parce qu'il a fallu que je refasse pour enlever la musique que j'avais utilisée, etc. Sachant que cette musique est présente dans les précédentes vidéos Vlogmas. Ça n'a pas encore été détecté, mais je suppose que ça va être détecté prochainement. Sauf que je peux pas vraiment les supprimer. Enfin, j'ai essayé de chercher hier, mais le problème, c'est que comme la musique est superposée à ma voix, je peux pas couper la bande son, sinon on perd... Enfin, je suis pas capable d'enlever seulement la musique, ou alors il faudrait que je réimporte les vidéos, auquel cas je perdrais bah, tous les commentaires, je perdrais l'ordre chronologique d'apparition des vidéos, enfin bon bref. Tout ça pour dire que c'était quand même pas évident, ma vie youtubesque hier soir. Ok, parlons maintenant des choses plus intéressantes et plus joyeuses. J'ai ouvert mes petits calendriers de l'Avent ce matin et regardez les petites beautés que j'ai reçues. C'est vraiment... c'est magnifique. On a de la Julie Asselin que je n'ai absolument jamais tricotée. Donc je suis super heureuse de découvrir cette teinturière. Et en plus le rose, enfin là on est vraiment définitivement dans mes coloris préférés. Et pareil, là aussi on est vraiment dans les couleurs que j'aime. C'est un reste de Emilia et Philomène. Et en plus je ne l'ai jamais testé dans mes souvenirs. Je n'ai jamais testé cette base. C'est la base Adelina qui est un mélange de Merino, Yak et Nylon. C'est le coloris lanterne. Et Emilia Philomène, c'est une teinturière que j'aime beaucoup aussi, qui fait partie de mes teinturières québécoises préférées. Donc je suis vraiment trop contente. Et enfin, j'ai que des beautés en fait. Donc pour le moment, c'est vraiment dur de les garder de côté. D'ailleurs, comme je disais aux copines de l'échange de calendrier de l'Avent, pour le moment, j'ai pas encore trop décidé comment stocker mes minis, ce qui fait que pour le moment, ils sont juste... J'ai des paquets posés un petit peu partout chez moi. J'aimerais regarder ça cette semaine, trouver comment est-ce que je peux les mettre à part, parce que j'aimerais bien les voir, en fait. J'aimerais bien trouver une sorte de bocal ou de grand vase où je pourrais les mettre pour pouvoir vraiment les voir, surtout que comme c'est des laines que je n'ai pas acheté moi-même et que je n'ai pas encore tricoté. J'ai peur d'oublier au fur et à mesure les coloris parce que j'ai quand même en tout une cinquantaine de paquets à ouvrir avec mes deux calendriers de l'Avent. Fait que j'aimerais vraiment les avoir sous les yeux. Mais comme j'ai un chat à la maison, je peux pas les laisser juste poser dans un panier par exemple parce que il faut quand même que ce soit protégé du chat. Donc voilà, peut-être je vais faire ça aujourd'hui si je trouve l'énergie et si j'ai envie de braver la neige parce qu'on a eu une très grosse bordée de neige dimanche lundi et là il y a vraiment de la neige partout partout partout, je vais vous montrer.
Ça, c'est mon petit facteur. Bonjour, monsieur le facteur. Mais ouais, non, ça, c'est l'état des rues. Vous voyez la petite dé... Ah, c'est trop cool, on a la déneigeuse là-bas, le petit mini tracteur jaune. Là, c'est une petite déneigeuse de trottoir. Mais vous voyez, les voitures sont complètement ensevelies sous la neige. Et pourtant, ça déneige hein, depuis dimanche. Le déneigement est actif. Mais ouais, là, faut avoir envie de sortir, quoi. Il fait pas froid, hein. C'est déjà ça parce que des fois on a cette neige-là et en plus de ça il fait moins 20. Là non, il fait bon. Je sais pas combien il fait mais il fait pas froid. Je suis sortie il y a quelques minutes juste avec ça pour fermer le portail parce qu'avec la neige, comme on n'a pas déneigé, on s'est juste frayé un chemin. Enfin, Laurie s'est frayé un chemin juste pour sortir la voiture, mais on n'a pas déneigé la cour et du coup on n'est plus que... On a du mal à fermer le portail, donc je suis juste sortie pour fermer le portail. Et il faisait pas froid, il devait faire zéro, quelque chose comme ça. En tout cas, bref, reparlons laine. Ok, ça c'est l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Faut que je trouve un truc où mettre mes minis. Autrement, hier j'ai quand même fait la première manche du pull Molly pour le bébé de ma sœur. Donc ça, c'est quand même cool. Ça a été assez rapide. Je pense, si j'ai dû passer maximum 2 heures, je pense, hein, pas plus que ça. C'est parce que bon, c'est tout petit, hein. Je fais la taille 3 mois, donc ça va vite. Et là, j'ai commencé hier soir un petit peu la deuxième manche. Et là, je l'ai tricoté un petit peu ce matin. Et bon, voilà, vous voyez, elle va être bientôt finie. Ici, les petits anneaux marqueurs, c'est pour compter le nombre de diminutions parce que j'avais un certain nombre de diminutions à faire. Et en fait, j'ai mis mes anneaux marqueurs sur la première manche. Et là, la deuxième manche, à chaque diminution, je viens récupérer un anneau marqueur de la première manche. Donc, vous voyez, là, il me reste juste. J'en suis donc à peu près ici. Donc, il me reste juste. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Juste ça à faire. Donc. Allez, moins d'une heure là quand même. Et oh, peut-être 45 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Et la deuxième manche sera finie. Donc ça, c'est super cool. Je joue à moitié Iron Chicken parce que j'ai ce restant là pour finir la manche. Je sais pas. Je sais pas si ça va passer ou pas. Mais bon, c'est un faux Iron Chicken parce que j'ai encore une pelote entière qui m'attend derrière. C'est juste que dans un monde idéal, j'aimerais bien ne pas avoir à raccorder une autre pelote, mais bon, s'il faut le faire, on le fera. Donc, je suis vraiment contente là de voir avec les manches, ça me réconcilie un peu avec lui parce que là, ces derniers temps, je l'aimais plus trop. Mais là, de le voir avec les manches, je le trouve super mignon. J'imagine très bien mon petit neveu le porter. Il va y avoir au niveau des emmanchures, c'est pas top top parce que en fait, on nous fait remonter un petit nombre de mailles par rapport à la largeur de l'emmanchure. Ce qui fait qu'il y a vraiment des trous. Bon, là, vous voyez pas grand-chose, je pense. Mais ouais, c'est pas nickel chrome. Mais comme je l'ai vu tout de suite, j'ai laissé des longs fils pour pouvoir après coudre, pour pouvoir coincer les petits trous. Donc ça, définitivement, ça va être terminé aujourd'hui. Et je vais pouvoir commencer. Alors, je sais pas si je vais le commencer aujourd'hui. Je verrai un petit peu selon mon emploi du temps. Mais je vais pouvoir lancer le pull pour la grande sœur. Hier, je vous ai montré les différents choix de coloris parce que je voulais faire un pull un petit peu color block. Je vous ai fait une demande sur Instagram aussi et en fait, j'ai pas eu les mêmes réponses sur Instagram et sur YouTube. Alors sur Instagram, on m'a proposé ce combo avec éventuellement le petit jaune aussi. Et en fait, sur YouTube, vous avez remplacé ce coloris par celui-là. Mais je pense que c'est aussi parce que vous avez eu l'histoire longue que je n'ai pas dite sur Instagram, que ma petite nièce en ce moment est fan de enfin, fan, aime bien le rouge et que ce coloris-là se ressemble un peu plus au rouge. Mais bon, c'est quand même plus rose que rouge. Mais bon, je sais pas si elle fera là. Oui, elle fera la différence, mais voilà. Bref, vous m'avez plutôt conseillé ce combo avec éventuellement le jaune. Et c'est vrai que j'ai eu 2 messages, je crois, sur YouTube qui me disaient de faire attention parce que comme ça va être une petite taille, là je vais faire la taille 2-4 ans, de peut-être me contenter de 3 couleurs seulement parce que sur un petit modèle, le 4, ça allait peut-être faire trop. Alors là, je suis un petit peu en hésitation. J'avoue que je ne sais plus trop. Je pense que dans tous les cas, il va y avoir le vert et le jaune. J'ai juste pas décidé. Est-ce que je mets ce rose fuchsia
ou est-ce que je mets plutôt le petit rose violacé? Et j'ai pas décidé non plus est-ce que j'incorpore le petit beige. Mais j'ai l'impression qu'on va plutôt partir sur ces trois couleurs avec l'un de ces deux roses-là. De toute façon, je vais commencer par le vert, donc éventuellement je pourrais quand même monter le projet et une fois que ce sera fait, je pourrai regarder avec lequel je le vois le mieux. Je vais utiliser le patron. Mince, j'ai oublié comment ça s'appelle. Le patron de Tinkanmitz, le Flax. Je crois que c'est le Flax DK, qui est un patron gratuit pour toutes les tailles de bébé à adulte. Et voilà, donc je vais utiliser la taille, enfin je vais faire la taille de 4 ans. Par contre, je ne pense pas faire le petit motif. Il y a un petit motif sur les manches. Je ne pense pas le faire. Je pense que je vais juste partir sur un modèle tout simple. Ce que j'aimerais faire, c'est faire tout le raglan en vert. Et dépasser un petit peu après la séparation des corps et du corps et des manches. Ensuite, dans le corps et uniquement dans le corps, incorporer un bloc de rayures jaunes. Et sur le bas du corps, la suite du corps, le rose. Et au niveau des manches, on aura donc le vert et le rose. Il n'y aurait pas de jaune. Voilà, c'est comme ça que je l'imagine. Après, je vais peut-être changer d'avis pendant que je vais le tricoter, peut-être dépendamment aussi de l'avancement de mes pelotes. Bon, j'ai pas des quantités. Donc, j'ai trois quantités. J'ai 150 grammes de vert, c'est sûr que je vais pas utiliser tout ça. Là, j'ai une palle pleine de 100 grammes, je pense, de ce rose. Là, j'ai une palle pleine de 50 grammes de ce rose, mais il m'en reste aussi. Je crois qu'il doit me rester quasiment 50 grammes aussi d'une autre balle. Et là, j'ai 50 grammes de jaune. Et là, j'ai 50 grammes de beige. Donc, je pense que je vais être capable comment dire, de me débrouiller avec ça pour faire le pull. Je n'ai pas fait le grafting de la chaussette de ma maman, mais ça, il faut que je le fasse aujourd'hui parce que ça va me prendre 5 minutes. Là, c'est vraiment juste de la fainéantise. Et ensuite, je vais lancer la deuxième. Ce soir, de 5h à 7h, j'ai un cours en ligne de conduite, un cours théorique. Donc, je pensais éventuellement monter la deuxième chaussette et tricoter devant le cours théorique, puisque bon, faut juste écouter, c'est un peu longué, c'est pas passionnant parce que c'est beaucoup de cours qui sont. C'est des cours qui sont pensés pour les ados en fait, donc c'est pas passionnant. Je crois que ce serait souvent intéressant, mais là, enfin, voilà, c'est pas des cours de signalisation ou de conduite en tant que tel. Là, c'est plus des cours de prévention. Je crois que ce soir, c'est l'alcool et les drogues. Donc bon, c'est intéressant, mais sachant que je ne bois pas ou presque pas et que je ne me drogue pas, ça devrait pas être le cours théorique le plus passionnant de la Terre pour moi. Donc je me prévois un petit tricot pour occuper mes mains et tenter de garder au maximum mon attention et ne pas avoir le sentiment de perdre mon temps et m'agacer. Voilà. Ok, donc 9h30, on a pour plan aujourd'hui de faire le grafting de cette chaussette, de monter la deuxième. Je ne sais pas si je fermerai la vidéo avant ou après mon cours de conduite. On verra combien de temps je vous ai seriné la tête et comment s'est passée ma journée. Ce matin, tout de suite après, on termine la manche du bébé. Et le pull Fanny, pas le pull, le gilet Fanny que j'ai en test, je l'ai pas pris avec moi, il est dans ma chambre. Finalement, j'ai fait que un rang, je crois, hier soir, parce que le mal de tête est venu se greffer à ce moment-là. Peut-être je vais le tricoter aujourd'hui, je sais pas encore. Je sais pas encore aujourd'hui ce que je vais faire exactement. Là, je pense que je vais rester tranquille à la maison jusqu'à 3 heures, à mon avis. Quoique, je sais pas encore. Je sais pas encore ce que je vais faire. Donc, on verra. En attendant, bah rien du tout en fait, parce que je vous retrouve dans à peine une seconde le temps de cette transition. Me revoilà, il est midi et demi et j'ai terminé le pull du bébé. Trop contente, j'ai même rentré tous les fils parce que je déteste cette étape, donc comme ça au moins c'est réglé, je n'en parle plus. Alors je me suis un peu loupée au niveau des manches, d'ailleurs là il y a comme un effet d'optique, on dirait que l'une est plus petite que l'autre. J'espère que c'est un effet d'optique. Voyons. Ouais, il y en a peut-être une qui est. On va dire, ouais, il y en a une qui est un peu plus courte que l'autre.
Pas de grand-chose non plus, mais oh là là, qu'est-ce que j'ai trafiqué. C'est bizarre, pourtant j'ai comparé, comparé et recomparé. Ah zut. Bon, étant donné que c'est pas non plus là, si je les mets bien comme il faut, il y a vraiment moins d'un centimètre de décalage. Ouais, peut-être quand même. Ouais. Un centimètre, 1 ou 2 centimètres de décalage. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand je vais le bloquer, je vais essayer de réharmoniser tout ça. Et si vraiment le décalage ne s'ajuste pas au blocage, eh bien, je viendrai tout simplement défaire mon rabat et recommencer la manche. Mais c'est bizarre parce qu'en vidéo, c'est flagrant, alors qu'en vrai. Ah bah en vrai, c'est flagrant aussi, en fait. Qu'est-ce que j'ai trafiqué? En fait, je me suis un peu loupée au niveau des diminutions parce que j'avais mis, je vous ai montré les anneaux marqueurs. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage. Il y avait un décalage. Et là, en fait, ouais, du coup, j'ai voulu enlever des rangs, mais j'aurais pas dû, en fait, parce que là, il y a. Là, ça va plus, ça va plus. Il y a ça quoi. Bon, on verra, on verra. Finalement, j'ai manqué de laine au niveau des côtes du poignet, donc j'ai quand même dû rajouter un petit peu de l'autre pelote. J'ai rentré les fils, j'ai essayé comme j'ai pu de camoufler un petit peu les trous sous les bras. C'est pas parfait, mais bon, c'est un pull pour bébé qui va être porté pas très non plus longtemps, donc ça fera l'affaire. Et il va me rester à le bloquer. Alors, je ne sais pas encore. Je vais le mettre de côté, je pense. Si j'ai le temps, je vais le bloquer à la main. Et si je n'ai pas le temps, eh bien, je le passerai à la machine à laver parce que c'est un pull. C'est de la laine superwash. Donc, ça passera à la machine. J'ai fait le grafting de la chaussette. Et pareil, tant qu'à être dans les tâches désagréables, j'ai aussi rentré les fils. Donc, j'ai une chaussette de prête. Je suis vraiment contente du rendu et en fait en faisant cette chaussette je me suis rendu compte, je pense que je me suis trompée dans les dernières chaussettes que j'ai faites. Donc au moins dans la chaussette que j'ai faite pour ma belle-sœur, celle qui était dans les tons orangés en auto-rayante, je pense que je me suis trompée dans ma recette de pointe et que je les ai fait trop courtes par rapport à ce que je fais normalement. Celle-ci est bonne, je pourrais vous la passer pour vous montrer ce que ça donne au pied. Bougez pas. Voilà. C'est sympa, hein? Ma mère a le pied un peu plus long que moi. Ça devrait bien aller parce que là, elle n'est pas encore bloquée. Et puis après, ça s'étend quand même beaucoup. Voilà, je suis trop contente. Franchement, j'adore le résultat. Et surtout, enfin pas surtout, mais notamment, je trouvais que le point envers, le point mousse, était vraiment super beau aussi. J'avais seulement 50 grammes de ce coloris, donc j'aurais pas de quoi faire une autre paire. Mais sinon, je pense que j'en aurais fait une en point mousse comme ça. D'ailleurs, j'ai longuement hésité à faire en sorte que ma mère la porte sur l'envers. Bon, finalement, j'ai choisi d'en faire une classique, mais voilà. Ce que je fais avec mes petits restants de fil, je garde toujours mes petits restants, que ce soit là quand j'ai coupé les fils, ou aussi quand je bobine mes écheveaux, je récupère les petits fils qui entourent en général les écheveaux, et je les mets dans un petit pot en verre, comme ça, un pot maçon, et je les accumule ici. Ça fait, je pense, une bonne année que je fais ça. Et j'aime beaucoup. Donc, en fait, je le mets dans mon bureau. Ça me fait une petite décoration laineuse. Mais surtout, c'est des beaux souvenirs parce que ça me permet, à chaque fois que je le vois ou que je le prends, bah, je vois des petits fils qui me font penser à différents projets, certains fils qui m'ont été offerts, certains fils que j'ai moi-même offerts aussi. Et où, par exemple, j'avais acheté de la laine pour ma petite sœur quand elle était venue à Montréal l'été dernier. Et j'avais gardé
serrées, justement les fils qui entouraient les écheveaux quand je l'avais bobiné, des laines que j'ai offertes en cadeau. Enfin voilà, donc j'adore ce petit concept-là. Alors il y a des gens qui font un bocal par année, mon année 2022-2023. Moi, pour le moment, non, je fais au fur et à mesure. Il est rempli, mais en fait, il y a encore un potentiel de place en tassant la laine. Et puis, je pense que quand vraiment il y aura plus de place, peut-être juste je le transvaserai dans un bocal un peu plus haut. Mais voilà, j'aime beaucoup ça. Et puis en plus, bah, c'est vrai que ça fait, enfin moi en tout cas, ça me fait toujours mal au cœur de jeter de la laine, surtout quand c'est des laines de teinturière, même si c'est des petits bouts de restants comme ça quand on coupe les fils, bon, on ne peut rien en faire. Et donc, il y a un côté, voilà, j'utilise vraiment toute la laine jusqu'au bout. Il n'y a rien qui part à la poubelle, il n'y a rien qui est perdu. Donc, voilà pour ce petit partage. Donc, il est midi et demi, je vais manger un petit bout. Et ensuite, je vais me reposer probablement en lançant le tricot pour ma nièce, je pense. Donc, je viendrai vous revoir plus tard pour vous montrer ce que j'ai fait cet après-midi. À plus. Coucou, il est 2h30 de l'après-midi. C'était pas prévu. Ma soeur vient de m'appeler. Elle va venir me chercher. Elle va arriver dans 2 heures, à peu près un petit peu moins de 2 heures, pour que j'aille passer les prochains jours chez elle avec ma maman qui est déjà chez elle. Donc, je vais monter cette vidéo et je vais aller me préparer mes affaires et je vais partir prendre la route pour aller chez elle. Donc je viens vous voir maintenant pour fermer cette vidéo. J'ai entre-temps monté le col du pull pour ma nièce. Donc je vais emmener tout ce qu'il me faut, les différents coloris, comme ça au pire je demanderai à ma soeur ce qu'elle en pense. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, je sais, enfin, je pense pas que je pourrais tellement tricoter sur ce pull en étant chez ma sœur, parce que bon bah ce soir on va faire de la route, on va être fatigué. Demain matin je travaille, demain après-midi je crois que, enfin je sais pas si je vais vraiment pouvoir tricoter. Jeudi on passe la journée à Québec, vendredi matin je travaille, vendredi après-midi elle me ramène chez moi, et vendredi soir, j'ai mon party de Noël, mon, comment on appelle ça en France, enfin, mon repas de Noël d'entreprise en fait. Donc, jusqu'à vendredi inclus, ça va être compliqué, je pense, d'avancer sur les tricots, à part la chaussette de ma maman, ce qui tombe bien puisque c'est quand même mon projet le plus urgent de tous. Donc, je pense que je vais emmener la chaussette de ma maman et le pull pour ma nièce et c'est tout. Je vais emmener ce qu'il me faut pour mes calendriers de l'Avent. Enfin, je vais emmener mes paquets en fait du calendrier de l'Avent pour mercredi, jeudi. Et voilà, donc vous allez pouvoir suivre tout ça avec moi. Pour le col, je suis en 3,5 mm. J'ai monté le nombre de mailles recommandées et je suis en train de faire à peu près 2,5 cm de côte 1-1. Attendez, ça va pas être long. Qu'est-ce que je disais? Oui, côte 1-1 et ensuite il va y avoir des rangs raccourcis, construction raglan avec rangs raccourcis dans le dos. Et voilà, donc voilà, on va suivre ça les prochains jours. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye!